Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Regardez la jolie robe que j'ai mise, les filles. Enfin, ça va. Je suis malade, les filles. Elle est trop belle. C'est une longue robe. Alors, les filles, je suis toujours malade, je suis toujours pas craque. Mais là, je me force à sortir. Je vais aller chez le coiffeur faire ma couleur parce qu'en fait, mes extensions, elles sont un peu trop claires. Par rapport à la couleur châtain que j'ai faite. Donc là, je vais refaire châtain sur tous mes cheveux. Comme ça, c'est la même couleur. Vous entendez ma voix, les filles? Je suis malade. Je suis malade. Hier, j'ai eu mal au froid. Je me suis sentie très, très fatiguée. J'ai beaucoup dormi, les filles. Plus que la normale. Mon corps, il tient plus. Et c'est pas, je me lève ici, les filles. J'ai une grosse boule. Tellement, je croyais que c'était un bouton, mais ça n'existe pas les boutons sur le cou. En fait, les filles, j'ai, je sais pas, j'ai une boule qui a poussé ici. Là, il y a Hachim qui est parti à Marrakech, donc là, je suis toute seule. Et cette nuit, je rentre à Marseille. Enfin, je suis toute seule. Il y a mes copines qui sont là, il y a Rachida, tout ça. Et donc je rentre cette nuit à Marseille et le lundi matin j'ai rendez-vous chez le médecin. Voilà, je vais voir pour. C'est pas normal que. On m'a dit que c'était de la lymphe, que c'était pas grave ce que j'avais, ce qui coulait de ma fesse. Là aujourd'hui ça coule moins, mais je me sens toute. Vous entendez ma voix? Je me sens fatiguée. Quand j'avale, j'ai mal. Je sais pas, j'ai peu d'anticorps les filles. Hein. Quand j'avale, j'ai mal. J'ai une boule qui a poussé là. Est-ce que c'est normal? Je me prépare, Rachida arrive à me récupérer et je vais chez la duchesse, le salon. Comme ça, je fais ma couleur. Les filles, je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup trop ma robe. Elle est vraiment trop belle, trop élégante. Bref, je rentre, j'ai l'avion dans la nuit, les filles. Dans la nuit, très tôt, ça veut dire je ne vais pas dormir. Je crois que j'arrive à Marseille. Voilà. Je vais être très fatiguée parce que je suis malade. Mais c'est pas grave. Hop là. En tout cas, j'ai passé une belle petite semaine à Tanger. Tanger, les filles, c'est ma ville préférée au Maroc. Franchement, j'aime pas Marrakech. Moi, je préfère 100 fois plus Tanger que Marrakech. Le délire de Marrakech et tout, c'est vraiment plus mon délire. Hop là. Mais Tanger, c'est trop bien, les filles. Il y a la plage, il fait beau, il fait pas trop chaud comme en... Et les filles, vous savez que je suis venue ici pour l'inauguration. Et franchement, les personnes qui ont le salon, donc Shaira et son mari, c'est des gens qui sont trop gentils, les filles. Vous savez, d'habitude, quand je fais des partenariats, des collabs comme ça et tout, je m'entends pas forcément avec la personne, je reste pas en contact, je fais ce que j'ai à faire, voilà. Et après, parfois, je les calcule pas. Et bien, eux, les filles, je vous jure qu'ils sont trop rentrés dans mon cœur. C'est vraiment des gens gentils et je le savais. En fait, c'est des amis de... C'est les amis de Rachida. Rachida, c'est ma bonne amie. Ils sont des gens trop gentils, les filles. Et le salon, vraiment, il est incroyable, il est magnifique. Je suis trop fière d'elle. Mes pinceaux sont lourds. Je vais mettre cette poudre, je me maquille en rapide, les filles. Allez, moi. Jamais trop de. J'ai mal à la gorge. Faut que je fasse spécial. Ma gorge, elle me fait trop mal. Un peu de bleu, je sais pas.
Il y a toujours la musique dans mon hôtel. Je peux faire la fête 24 heures sur 24. C'est vraiment un hôtel de fêtard, le Mont-Vempic. Bref, mon parfum, les filles. Le Dream de chez My Parfum. J'aime trop cette marque de parfum. Ils sont trop bons. Bien fruité comme j'aime. Bien sucré. Et les filles, à chaque fois que je mets, parce que je le mets trop souvent, mon maillot de la Palestine, vous me demandez tous un code. Il est trop beau. Regardez comment il est. Donc j'en ai deux. Je l'ai comme ça en rose. Et je l'ai aussi en noir. Mon noir, je l'ai donné à mon copain, il m'a gratté. Regardez, il est comme ça. Et derrière, regardez ce qu'il y a marqué. Et je le mets tout le temps. Vous vous souvenez, j'avais mis le noir pour aller voter. Regardez, il est trop trop stylé. Là, j'ai un code à vous donner. Hop là. Il est trop stylé. Moi, je le mets comme ça avec un legging. Trop beau. La dernière fois que je vous l'ai présenté, les filles, vous avez dévalisé le site. Il est trop stylé. Je vais vous montrer le deuxième que j'ai aussi. Je vais vous le montrer, je l'ai en photo parce que je l'ai donné. Regardez, il est magnifique. Attendez, je vous montre bien. Hop là, trop stylé. Et en plus, j'ai un gros gros code à vous donner. Ça, c'est l'arrière. Et ça, c'est l'avant. Je vais vous montrer aussi en noir, les filles. Il est trop stylé aussi en noir. J'en ai deux. Celui-ci, c'est celui que j'ai donné à mon copain. Les filles me l'ont demandé. Regardez comment il est trop, trop beau. C'est des maillots en édition limitée. Donc ça, c'est le devant. Et regardez ce que j'ai floqué derrière. J'ai floqué exactement la même chose sur les deux. Donc sur le rose que je porte et celui-ci. Et là, j'ai floqué Free Gaza, les filles. Franchement, ils sont incroyables. Donc les filles, le maillot, il vient de chez Viva Palestine. Et ne vous inquiétez pas, c'est un site fiable, hein, les filles. Et il y a une partie qui est donnée à une association. Je vais vous la mettre à l'écrit, les filles. Et j'ai un énorme code à vous donner. Donc sur le site, les filles, vous avez déjà moins 50% de réduction. Et en plus de la promotion, il y a moins 15% avec mon code promo. Ça fait en tout 65% de réduction. Vous avez plusieurs coloris et je vous laisse aller voir et en profiter. Bon, là les filles, j'attends que Rachel vienne nous chercher. J'aime trop ma tenue, les filles. Mais ça, ça se desserre. Ça ne tient pas correctement. Mais je trouve qu'avec une petite ceinture, vous savez, les petites ceintures Kelly, la d'Hermès, ça aurait fait plus beau, mais bon, je l'ai pas là. Je l'ai séché dans Dubaï. Je mets un peu de baume. Et j'attends Rachel. Et je vais au salon me faire une beauté. Regardez ma boule. Vous voyez? J'ai une boule ici. Regardez les filles, ma robe elle est toute tachée. Le produit qui coule. Regardez les filles, ma robe elle est... Bon les filles, Rachida elle est venue me récup. J'ai encore ma fesse qui coule à Michi. Puis on va voir le médecin ici. J'ai dit non quand je rentre. Je rentre cette nuit. Les filles, je viens d'arriver au salon. Il est vraiment trop beau. Hein. Bonjour. Allez, je vais me faire coiffer. Je vais faire ma couleur.
Rachida m'a dit quand je fais la couleur sur les extensions, après les extensions ils sont encore plus beaux. Déjà la qualité des fils des extensions, elle est trop belle. Et j'en ai pas mis beaucoup. J'ai pas mis beaucoup de bandes. Bon là j'ai les cheveux sales. Mais regardez comment c'est bien épais. Là j'ai fait long. Bon je me connais, je vais rester long comme ça, après je vais couper un petit peu. Mais regardez le volume des extensions. Trop trop beau. Ouh, ça me gratte, j'ai les cheveux pourris. Les filles, j'ai rien à ramener avec les babes. Moi j'ai reconnu ma. Il a marqué quoi? C'est le chien que j'ai? C'est où que c'est marqué? Maillot à l'issue. Maillot à l'issue. Il faut qu'on voit. Je fais ma couleur sur le haut, les filles. Ça y est les filles, j'ai terminé mes cheveux, ma couleur, il m'a fait des beaux. Merci chérie, c'est trop beau. Je vous explique les filles, le salon, quand je vous dis il est beau, il est magnifique. Mais les prix, je suis choquée. Un brushing, ça coûte combien? Ça coûte 5 euros. 5 euros le brushing, je suis choquée. Mais moi je lui dis, mais pourquoi c'est si bas? J'ai jamais vu un brushing aussi pas cher de ma vie. Après pour les extensions, pour les filles qui viennent du Maroc, il faut savoir que ce salon, il a été formé par Dream Hill, celle qui me fait mes extensions depuis tout le temps. Et c'est la même qualité de cheveux, les filles. Donc venez faire vos extensions ici. Il ne faut pas faire les extensions à colle à la kératine, ça bousille les cheveux. Les bandes adhésives, pareil, c'est une catastrophe. Cette technique, elle est invisible, les filles. Elle abîme pas les cheveux et c'est une technique à froid. Mais regardez le résultat. Regardez ce volume. Incroyable. Regardez, j'ai encore ma fesse qui coule. Regardez. Regardez, j'ai encore ma fesse qui coule. Regardez. Regardez, j'ai encore ma fesse qui coule. Regardez. Regardez, j'ai encore ma fesse qui coule. Les filles, ça me fait trop plaisir. En fait, je savais pas que j'étais autant suivie au Maroc. Hein, Rachida? Dans laquelle la preuve? Ouais. Les filles, depuis tout à l'heure, elles viennent faire des photos et tout. C'est trop mignon. Je savais pas que j'avais une aussi forte communauté au Maroc. En tout cas, je vous aime. Moi aussi je vous aime, trop belle. Merci. Franchement mes cheveux les filles, trop. Regardez le volume. Et ça c'est des nouveaux cheveux qu'elle m'a mis Rachida. C'est pas ceux que je mettais avant. C'est une nouvelle qualité.
Alors déjà celle d'avant elle était parfaite, ouais, mais bien alors bien. Celle-là elle est parfaitement parfaite. Hein. Tout la pose invisible et tout. J'aime trop. Bon, je vais aller me désinfecter les fiches. Et la vérité, tout le monde me dit d'aller à l'hôpital au Maroc. Je veux pas. C'est bon, je rentre en France cette nuit. Lundi matin, je vois le docteur. Ouais. Lundi matin, je vois le docteur, les filles. Je veux pas, mais je suis très inquiète. Ça s'arrête pas. Ça coule de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ça change les boucles, hein. Mais les filles, je suis choquée, mais vraiment choquée. Du prix du brushing. 5 euros. 5 euros. 50 dirhams. Au salon de Chahira. 50 dirhams, c'est 5 euros. Mais moi, ce prix-là, j'en fais toutes les 5 minutes. 5 euros le brushing. Shampoing, soin brushing. Enfin, shampoing, après shampoing brushing. Ça va pas cher, hein. Bon, les filles, je suis en train de finir de me préparer. C'est ma dernière soirée, je pars dans la nuit, j'ai même pas fait mes affaires. On va aller manger au restaurant là avec les filles. J'ai mis la dernière robe que j'ai prise, elle est trop belle. Ça fait trop, les filles, je me sens pas de me mettre en talon et tout. Je vais mettre des claquettes avec. Hop là, juste je démêle mes cheveux. Et on va manger, puis après je rentre. Je fais ma valise en deux, je vais tout jeter dedans. De toute façon, tout va aller au sale. J'ai mis toutes mes affaires. Et après, direction à l'aéroport. Mes cheveux, ça fait trop beau, les filles. Voilà. On va mettre. Le soir, quand je sors, les filles, j'aime bien mettre ça. Ce musc, c'est le nouveau Cecinacci, le coup blanc. Hop là, comme ça le parfum il a bien les filles. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sentent bon. Ils sentent trop bon. Et j'aime bien le mélanger avec le vert saphir. Parfum de chez Cecinacci aussi. Trop bon. Là j'en ai bien là. J'aime bien quand je passe qu'on sente mon odeur. Voilà sur ma fleur. Filles, écoutez bien ce qui m'arrive. Je sors de l'hôtel et tout, j'avais ma trop belle robe. Le produit il débouline partout, partout. Sauf que vous voyez, cet après-midi j'ai mis une longue robe, donc ça se voyait pas trop. Là ça se voyait. Ça veut dire j'aurais dû monter avec elle. Ça veut dire que je me suis changée, je me suis mis en tenue d'aéroport, ouais. Alors que c'est un bête de resto. Je vais me taper l'affiche. C'est pas grave, je m'en fous. Bah, je sais pas, n'importe. Les filles, Rachida, elle préfère Marrakech que Tanger. Moi, je préfère un milliard de fois plus Tanger. En fait, il y a plus de choses à faire à Marrakech. Ça va, il y a des choses à faire et les piscines, elles sont bien, les restos. Ouais, c'est vrai. C'est après, vrai. Moi, je suis très, très casanière. J'aime bien m'enfermer. Mais vous, préférez quoi, Marrakech ou Tanger? Les Marocains et Marocaines. Moi, je préfère Tanger. Ouais. Les filles, la mère de Rachida, je l'aime trop. Je vais venir à Lille manger chez elle. Rachida me fait trop rire avec son accent. Elle m'appelle pas Maëva, elle m'appelle Maëvo. Bah arrête de te foutre de moi.
Oh, elles sont trop trop belles pour ma mère et moi. Voilà. En plus, je pars en Algérie, je vais les mettre. Est-ce que je peux garder les deux ou je suis obligée d'en donner une à ma mère? Non, tu donnes une à ça. Je rigole. Elles sont trop trop belles. Et j'aime trop les abaya. J'en ai plein plein à Dubaï, j'ai un dressing complet de abaya. Trop belle. Non mais tu sais que ma mère elle t'aime trop. Mais moi aussi je l'aime trop. Ah, je l'aime trop, fait trop, sur trop, toi. Trop trop. Je vais venir manger tagine poulet aux olives chez elle. Vas-y, tu viens. On va te ramener. Merci, on va te ramener au BDM. Elle regarde mes stories? Non, elle a pas Snap. Oh. Mais tu sais, Maëva, ma... ma story, Maëva, on va te ramener au BDM à Lille. C'est quoi? C'est un quartier. C'est les cités de France. C'est là où j'ai grandi. Ah, allez, à BDM. Je représente Lille, BDM. Roubaix. Non, pas Roubaix, par contre. Je rigole. Tu ZF. Moi? Non, toi, tu dis tout le temps ça. Je dis quoi? Tu ZF. Dans les commentaires, dis ça. Non. Genre, tu t'exprimes, tu dis tout le temps ça. Quand tu parles. Les Lillois, vous avez un accent très... On a des expressions. L'eau, l'eau. On a des expressions que personne n'a. T'es où, l'eau? Hier, je parlais avec Hatim, je lui ai dit je sais pas quoi, il m'a dit, ah ouais, vos expressions du Mais même les Lyonnais, hein. En fait, chaque ville, ils ont leur expression. À Marseille, on parle avec l'accent du sud, avec le 1. C'est quoi pour toi le meilleur accent? C'est Marseille. Tu peux me dire ce que tu veux. C'est vrai, j'avoue. Je regardais les Marseillais que pour te voir toi en train de t'énerver et en train de crier. C'est vrai, j'aime trop l'accent marseillais. C'est trop beau. Mais c'est meilleur. Surtout chez un mec. Ouais, je te vais dire surtout. La gadji là. C'est quoi là, ils disent quoi? La gadji. La gadji, non, la gora, c'est parisien. C'est parisien. C'est trop marrant, même quand ils s'embrouillent, l'accent marseillais. Les filles, Tanger, c'est la ville la plus embouteillée du monde. Mais vraiment. Bref, là, on vient d'arriver. Tout le monde est pimpé, sauf moi. Sauf que là j'ai 1h30 pour manger. Bah non, mais... ça va être chaud. Je vais pas rater l'avion. Thank you.
Les filles, je vous explique, on arrive à l'hôtel là. Il est 3h11, il faut qu'à 8h30 on soit en bas. Et je commence à être très fatiguée et ma valise elle est pas du tout prête. Vous savez, non, moi je vais tout jeter dedans. Moi je la ramène à côté. Et non, tout mon linge il est sale. Ça veut dire dès que j'arrive, je mets tout au sale. Non, non, ça sert à rien de la faire proprement. Dès que j'arrive, tout va au sale. Elles sont où? Regardez ma tête, ça y est, je commence à être fatiguée. Je viens de gaspiller toute mon énergie là. Les filles, c'est bon. Heureusement, Davina m'a aidé. On fait les affaires, là, on va aller. Oh, pourquoi ce bordel? C'est les belles journées. Là, c'est bon. Je pars à l'aéroport. Allez, je vais pas dormir, les filles. Je vais être KO technique. Les filles, ça fait une demi-heure. On attend la voiture. 30 minutes. Je vais rater mon vol. Je vais péter les plombs. Quand on est monté, je lui ai dit s'il te plaît, garde la voiture juste en bas. J'en ai pour 10 minutes. Je descends ma valise. 20 minutes. J'ai l'aéroport. Ça fait 30 minutes. On est en bas. En train d'attendre la voiture. J'ai mon vol, je vais rater mon vol. Non, moi je n'ai pas envie de rester au Maroc. J'ai pas envie. Mais ça fait 30 minutes. Il est parti mettre l'essence avec la voiture. Je vais tout casser. Et là, il y a une voiture devant qui bloque. Je vais tout casser. Ouais, si t'es pas roulé une Mercedes ou quoi? Non, moi je veux pas. Je veux rentrer chez moi. J'ai mon rendez-vous chez le médecin lundi, les filles. Non, c'est pas possible. 30 minutes, on attend la voiture. En plus, quand on est monté, je lui ai dit, on va repartir, on en a pour 20 minutes max. Laisse la voiture garée devant l'hôtel, là, mais pas dans le parking. Il me dit quoi, le mec? Il me dit, oui, ok. Et là, on descend 30 minutes, la voiture. 30 minutes. Il y a des gueules, c'est le soir. Même la journée, c'est pas aussi long. Les filles, je viens d'arriver à l'aéroport. Heureusement, Rachida m'accompagne. Écoutez-moi, je me connais. Quand je suis fatiguée et là vraiment je dors. Je suis très 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 énervée. Tu me fais la oh non. En plus vraiment là je prends la pire des compagnies. Pire des pires. Mais c'est le seul direct quand j'ai Marseille. Les filles, j'ai eu trop mal au cœur. Parce que pendant que je passais, vous savez la douane, où je passe tes affaires à main. Il y avait un vieillard devant moi.